Après, le bilan global, il est mitigé dans le sens où, voire partagé dans le sens où je suis satisfait d'un côté et frustré de l'autre. Satisfait parce qu'on a été invaincu sur le plan collectif du mois de novembre jusqu'aux deux dernières journées. Et donc ça fait une grosse série d'invincibilité avec des gros matchs où on a su bien maîtriser les choses. Et frustré parce que je pense qu'il y avait moyen de mieux faire et d'aller atteindre les playoffs. Puis sur le plan individuel, il y a pas mal de joueurs U17, 2006, voire 2007 qui sont montés dans le groupe U18, U19 de Manu Guidicelli à l'entraînement et en match. Donc la satisfaction, elle est là aussi. Oui, parce qu'on a gagné des matchs où on n'a pas perdu des matchs qu'on a perdu en première partie de saison. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait, mais je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin dans la capacité motivationnelle, dans la capacité de maturité, et puis aussi sur toutes les dominantes, technique, tactique, athlétique et mentale. Je pense qu'on a fait un bon travail, mais je pense qu'il n'est pas suffisant pour encore se projeter sur des joueurs qui sont en capacité d'aller chez les pros demain. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire individuellement. Donc on va s'atteler à ça sur les semaines et sur les mois à venir. Le premier rôle, c'est de leur transmettre les paramètres d'exigence du haut niveau. Ça, c'était primordial pour moi, parce que c'est des garçons qui sortent de la préformation pour la moitié et qui arrivent en centre de formation. C'était de leur donner cette exigence-là du haut niveau. Deux, leur donner aussi le sentiment d'appartenance à notre couleur, à notre club, à notre ville, à notre territoire. Et deux, troisièmement, c'était être en capacité de faire souffrir l'adversaire. Et ça, c'est une satisfaction parce qu'à chaque fois qu'on a joué contre une équipe, elle a souffert. Ben, c'est l'exigence qu'ils mettent au quotidien et surtout la capacité à se projeter sur l'entraînement, sur l'objectif précis, pourquoi ils viennent à l'entraînement. Donc on s'est attelé à ça avec le staff. Donc c'est aussi de se projeter, se dire voilà, à travers ces expériences que j'ai pu vivre, c'est comment mettre en place un plan de formation pour le joueur pour qu'il gagne un temps d'avance, pour le fournir en U19, le fournir en réserve, mais surtout se projeter pour les professionnels. Et à travers ça, j'ai vécu les trois catégories et aujourd'hui, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le joueur du dessus. Ben là, on s'attelle à ça avec Francis de Tadeo. On est sur les effectifs, sur les contrats, sur les recrues, sur les départs. Donc voilà, il y a tout un effectif global sur l'écosystème du centre de formation à mettre en place. Ça, c'est Francis qui pilote tout ça avec notre aide sur les effectifs de chaque groupe. Donc voilà, donc non, à nous de faire les bons choix, à nous de bien travailler sur chaque groupe et sur les besoins. Donc c'est de travailler pour le joueur à travers le collectif. C'est même plus un plaisir, c'est vraiment une joie vraiment profonde. J'ai vécu des montées ici, j'ai vécu des descentes. Mais par contre là, en termes d'engouement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé autour de l'équipe. Et je vais même plus loin, autour de la ville, autour du club, autour du territoire. Et je trouve qu'on a retrouvé un sentiment d'appartenance très très fort à cette couleur Grenat. Et j'ai trouvé aussi que le fait que certains joueurs aussi sortent du centre de formation, style Mikotadze, style Maziz, font aussi que cet engouement-là est revenu très très fort. J'ai aussi vu un entraîneur, une politique sportive qui a emmené aussi ce public-là à revenir à Saint-Symphorien, mais surtout à s'identifier à cette équipe-là.